Namadi Namama Kunjo Manawa Nesirana Jugulenye Nesirana Jampanchilenye Allahumma salli ala Sayyiduna Muhammadu Salawa salamu ye kirala jamalu maubani mauludi hamenyaga della mauludi nyaga dele Madame, monsieur, bonjour. Bonne fête à tous les musulmans. Merci à vous d'être là. Bon repos à tout le monde, à toutes les personnes qui nous regardent. Nous sommes très ravis. Nous sommes dans le cadre de notre magazine Midi chez nous. Et quoi de plus normal que d'être aux couleurs de la fête d'aujourd'hui? Cela dit, ça ne change en rien le contenu de ce magazine. Monsieur Yves Blé, qui est notre consultant juridique, sera avec nous d'un moment à l'autre. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la participation aux charges du ménage. Que vous soyez sous le régime de la communauté de biens, sous le régime de la séparation de biens, parlons de charges de ménage dans le cadre du mariage. Nos invités, nous les entendons, nous allons les recevoir avec grand plaisir. Et il nous accompagne tout au long de ce magazine. Il s'appelle Sey Mandia et nous espérons que c'est pour votre plus grand plaisir. Sey, à vous. Dominique Ouattara, le Maoni Mauloudi. Yeah. Anaka gouvernement Jama Beni Mauloudi. Yeah. RTI Nyamoura Balou, Maoni Mauloudi. Maria Moutoui. Yeah. Hamari Bayago. Ah, directeur Ba. Kodo Benaneka. Kodo Benaneka. Kodo berani kabusaya, mbade mbere walila, nela kadisila le walila de. Niko na koro tute, sayi tute soro ninkene nika. Kadisila alama ndugu sumela ne bade mbere le. Faransi jatigilu, Ameriki jatigilu, yeah. Mali jatigilu. Abe akili jigi jona baba ni nkone basale fukone la sirabani biribiri konyo Mangina kaja valeriko Adamu wakwate mekanu barikada le siribila Ya sirani badi bebe siribida le mekanada Nena na nyaga ninawo Nimbila la mandeje li minawo Mukandu deni yala mekanada le mase Abe juru fola, madu be juru fola, abe kurala, kasimu be kurala. Ninfole nintongole ko bajuru koroni, sanga sanga ni sanga nyawelele, fenduma korobalile bajuru koroni. Madala jonye, ne badala njigi ya bereluye. Madamu tari, jena bakone jara sangaranga aramata siribe de nyananema. Kanesi pari, kanesi pari, kampari, kune kana nyaga nina soko madaini la. Yeah, jigi ya mogolu manja. Kantigi tebeye, landa ya mogo tebeye, mejigi barikada jonyi, mejigi da jogarana. Lamuni yara, jogara mecha mibenson sumeni usumeni Bazena kune kado kata tenya mkuluke Mwaka jigida mwaduhi nabina fama Yeah, jogara na
Bubakari yara ne bali ya fuba mapo ne beka no ne bali ka ne mawidi. Voilà, Sey Mandia, il sera avec nous tout au long de ce magazine. Monsieur Yves Blay est installé. Les charges du ménage, la participation aux charges du ménage, qu'il s'agisse de la séparation de biens ou de la communauté de biens, quelle est cette répartition? Notre jingle, et croyez-moi, c'est bon à savoir. Monsieur Yves Blay, bonjour. Bonjour, Mariam. Thème très intéressant et qui concerne beaucoup de personnes. Mais un thème qui concerne les personnes qui sont dans le lien matrimonial, le lien légal, c'est-à-dire le mariage. Mm-hmm. Parce qu'on ne cesse de le dire, nos concitoyens doivent savoir que lorsqu'on n'est pas passé par devant le maire, lorsqu'on nous donne un document administratif et qu'on met plusieurs mentions, on doit cocher la mention réservée certainement aux célibataires, lorsqu'on n'est pas marié. Mm-hmm. Mais lorsqu'on est marié par devant l'officier d'état civil, on coche la partie des personnes mariées légalement. Mm-hmm. Et donc, à ces personnes, il y a deux régimes matrimoniaux. Il y a le régime de la communauté des biens, le régime de la séparation des biens. Mm-hmm. Maintenant, en dépit de ces deux régimes, qu'en est-il des charges du ménage? Et c'est de cela que nous allons parler ce jour. Alors, très bien. Quand on dit charges du ménage, on entend tout ce qui concourt, l'argent qui sort de la poche de l'un ou de l'autre. Mais lorsqu'on parle de charges du ménage, il faut parler d'abord des frais d'entretien du ménage, des frais d'éducation des enfants et voire même les frais de vacances de loisirs. C'est par exemple, on est dans la maison, la boîte d'allumettes vient de finir. Qui doit payer la boîte d'allumettes? On entend souvent des femmes dire, tu m'as marié, c'est toi qui dois t'occuper de moi. Allez-y, dis à votre papa que la boîte d'allumettes vient de finir. Et il y a même des chansons qui sont venues pour accompagner, agrémenter ce genre de sujet. Mm-hmm. On dira certainement que la femme se marie quand elle veut, l'homme lui se marie quand il peut. Donc quand elle veut, c'est-à-dire quand elle est prête, mais mm-hmm. l'homme, c'est quand il peut, quand il a les moyens. Mm-hmm. Donc il appartient à l'homme de mettre tous les moyens en œuvre pour que le ménage soit harmonieux. Mm-hmm. Donc est-ce que c'est ce que dit le droit? Nous allons essayer de le voir aujourd'hui. Très bien. Mm-hmm. Mais ce que vous avez dit qui est réel, beaucoup de femmes se disent, c'est une assurance vie, mm-hmm. je suis mariée, il faut qu'il s'occupe de moi de pied en cap. Mm-hmm. C'est un raisonnement normal ou... Ben, c'est un raisonnement qui était normal avant l'intervention de la loi numéro 2013-33 du 25 janvier 2013. Mm-hmm. Cette loi qu'on a baptisée à tort ou à raison la nouvelle loi sur le mariage. Mm-hmm. Donc on dit qu'il y a une nouvelle loi sur le mariage qui fait que la femme et l'homme sont sur un pied d'égalité. Donc, est-ce qu'on a lu la loi, est-ce qu'on ne l'a pas lu? Mmh. Par le passé, on disait que le mari était le chef de la famille. Mmh. Donc, en tant que chef, les obligations familiales pesaient à titre principal sur l'époux. Mmh. Donc, lorsque madame avait une difficulté, elle venait s'appuyer sur son mari pour dire « Ah, tu m'as marié, je n'ai pas ça, essaie d'intervenir. Mmh. » Mais maintenant, on essaie de voir un bicéphalisme au sein de la famille. Donc, on voit qu'il y a des co-gérants. Monsieur Cogère, Madame Cogère, on cogère ensemble la famille, on a tous deux l'autorité parentale. Mmh. Donc, avec ce bicéphalisme-là, on voit que la loi attribue la qualité de chef de famille aux deux entités, c'est-à-dire à monsieur et à madame. Mais déjà, quand vous parlez du fait d'avoir tous les deux l'autorité parentale, ça veut dire quoi? L'enfant est sous la responsabilité duquel des parents? Mais l'enfant est sous la responsabilité des deux parents. C'est-à-dire? C'est-à-dire que par le passé, on vous disait comme ça que l'autorité... L'autorité parentale et la puissance paternelle, c'est la même chose? La puissance paternelle, moi, je pense qu'on l'utilisait par le passé parce que l'homme était le chef de la famille et il détenait à titre principal cette puissance-là. Oui. Mais maintenant, quand on parle d'autorité parentale, étant donné qu'il y a ce bicéphalisme, monsieur et madame, donc on parlera d'autorité des parents, l'autorité parentale. Mais maintenant, dans la pratique, est-ce que les deux vont l'exercer au même moment? Je pense qu'il y a un certain mandat qui va glisser à l'un pour, dans la pratique, exercer ce mandat. Oui, cette mais autorité. Concrètement, un enfant, enfin, les parents ne sont pas d'accord sur une décision concernant l'enfant mm-hmm. et ils ont tous les deux l'autorité parentale. Mm-hmm. Alors, quelle est la décision qui va l'emporter? Ben, la décision qui va l'emporter, c'est la décision que les parents auront prise d'un commun accord. Maintenant, au cas où il y a un désaccord, les parents vont se référer au juge des tutelles, non, au juge aux affaires familiales, pour que ce juge-là essaie voilà, de décider ce qui va dans l'intérêt de l'enfant. Voilà. D'accord, je vous prends un exemple concret. Le père dit qu'il a 18 ans, mm-hmm. il vient d'avoir son bac, il part aux États-Unis pour continuer ses études. Mm-hmm. La mère dit non, il est fragile et influençable,
Et il avait des mauvaises fréquentations ici. Mm-hmm. Et donc, j'estime que s'il part maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver là-bas, on n'est pas là-bas. Mm-hmm. Et j'ai peur qu'il rentre dans un groupe bizarre. Mm-hmm. Et il lui dit, écoute, moi, j'ai besoin que mon fils fasse de grandes écoles et pour assurer la relève de mon cabinet. Mm-hmm. Et c'est par là-bas que j'ai fait mon cursus et je veux qu'il y aille. Mm-hmm. Donc, on réalise que le père a des intentions nobles pour son fils. Mm-hmm. Et puis, ça coûte très cher, ce genre d'études. Mm-hmm. On réalise que la mère veut protéger l'enfant, elle estime qu'il est trop fragile. Mm-hmm. Il lui dit, oh, lâche-le, c'est un grand. Mm-hmm. Mais les deux, il y a des arguments qui tiennent la route. Mm-hmm. Donc, c'est le juge qui va trancher dans ce genre. Dans ce cas, ces deux parties vont se référer au juge. Et le juge, selon l'intérêt de l'enfant, l'intérêt des parents, va essayer de trancher. Mm-hmm. Voilà. Donc, le juge est là parce que le juge, il est là, il est l'arbitre. Voilà le litige des parents. Mm-hmm. Donc, le juge essaiera de voir en fonction des arguments développés par les uns et les autres, de voir comment cela se fera. Mais dans le cas que vous expliquez, le juge essaiera certainement de faire intervenir l'assistante sociale pour faire une enquête. Voilà, une enquête pour voir les réalités de la famille et d'accéder à la demande de l'un ou de l'autre. D'accord. Voilà. Et avant cette loi, c'était le père qui principalement prenait cette décision. Ben, c'était le père. C'était le père quand on était dans la famille légitime. Maintenant, en vertu du mandat domestique, parce que vous savez, les pièces d'identité de nos mamans à l'époque, on voyait dessus ménagère. Mm-hmm. Donc, on se demandait, mais c'est quel ménage? Peut-être parce que le matin, elle fait le ménage dans la maison, donc c'est une ménagère. Mm-hmm. En réalité, ce n'était pas parce qu'elle lave les carreaux, bien parce qu'elle balaye devant la porte le matin qu'elle était ménagère, mais c'est parce qu'elle avait toutes les charges du ménage sur elle. Ces charges-là pesaient à titre principal sur elle. Mm-hmm. Elle était celle qui cuisinait, qui prenait soin des enfants. Elle était celle qui allait régler les factures. Donc, on disait que le père avait une certaine autorité, était le chef de la famille. Il lui déléguait ses pouvoirs afin qu'elle puisse agir en son nom et pour son compte. Mmh. Donc, elle bénéficiait de ce qu'on appelait un mandat domestique. D'accord. Voilà. Mmh. Très bien. Très bien. Donc, on peut poursuivre après cette voilà, on va poursuivre pour dire que par le passé, il y avait une certaine inégalité entre la femme et l'homme. Et même en France, jusqu'en 1938, la femme ne jouissait pas de tous ses droits. Elle était frappée d'une incapacité. Et c'est bien après que cette incapacité a été levée, la femme a été déclarée purement et simplement capable. Mmh. Et donc, cette inégalité, le législateur ivoirien de 2013 a dit, attention, la femme est capable, la femme a des pouvoirs, la femme est apte et mature pour exercer certaines fonctions. Il faut permettre à la femme de révéler ce pouvoir. Il a dit simplement, il faut donner la possibilité à cette femme de co-gérer la famille. Mmh. Donc, la femme qui avait simplement un mandat pour gérer la famille, le législateur lui dit, on passe de la puissance paternelle à l'autorité parentale. Mmh. Donc, toi qui gères au quotidien les enfants, alors que monsieur est parti, je te permets de co-gérer la famille avec ton époux. Toi qui es à la maison et qui gères les revenus, parce qu'au quotidien, certainement, si le mari est le ministre des Affaires étrangères, parce qu'il va dehors chercher l'argent, on entend ce discours. Tu es à la maison, c'est moi, je m'en vais chercher l'argent. Bon, tu es le ministre des Affaires étrangères, le ministre peut-être de l'économie et des finances. Mais moi, je suis le ministre de l'Intérieur, parce que c'est moi qui, au quotidien, gère la popote, l'argent de la maison. Mm-hmm. Même si, au passage, j'ai fait des juridiens. C'est-à-dire que quand on lui donne l'argent du marché, elle glisse pour s'acheter quelques produits pour embellir la maison, ce n'est pas grave, mais c'est elle qui est le ministre de l'Intérieur. Donc la loi dit, c'est vrai que nous nous sommes mariés sous peut-être la séparation des biens, la communauté des biens, chacun a ses biens, on a des biens en commun, il y a certainement des biens propres, mais il y a une masse dans la famille pour laquelle nous deux nous sommes tenus. Mmh. La masse, c'est ce qu'on appelle les dettes de ménage. Mmh. On a pris une servante. Qui doit payer la servante? On entend souvent le discours suivant lequel tout ce qui est dans la cuisine, là, c'est la femme qui doit s'occuper de ça. Ou bien tout ce qui concerne les enfants, moi, je ne suis pas dedans. La loi dit non, attention. Lorsqu'elle va à la boutique chez Aladji et qu'elle prend du sucre, qu'elle ne paye pas, qu'on vient encaisser à la maison, monsieur n'a pas le droit de dire, c'est ma femme qui a pris, allez-y l'encaisser. Non, Aladji a la possibilité de poursuivre monsieur et madame parce que c'est une dette de ménage. Donc, quand madame va contracter une dette au nom et pour le compte du ménage, monsieur va contracter une dette au nom et pour le compte du ménage, même lorsque la servante va contracter une dette au nom et pour le compte du ménage, c'est les deux époux qui vont solidairement réparer le D'accord. préjudice subi par l'autre partie. Mais parce que de plus en plus dans les boutiques, on vend de tout, y compris des produits de beauté aujourd'hui. Effectivement. Donc si par exemple, la mère de famille va chez Aladji, mm-hmm. et pour y prendre un produit défrisant, mm-hmm.
Est-ce que le mari, dans ce cadre-là, peut dire que ça ne le concerne pas, ça ne rentre pas dans les charges du ménage? Je vais vous surprendre pour vous dire que dans les années 60, une dame qui était mariée est allée, parce qu'elle était en colère, elle est allée dormir dans un hôtel pendant 2 mois. L'hôtel n'existe plus, l'hôtel était situé en bordure de lagune à Cocody. Et donc, elle a dormi pendant 2 mois. Et son mari, lorsqu'il a su qu'elle était dans cet hôtel, il a publié dans le seul quotidien ivoirien de l'époque une annonce dans laquelle il disait « Attention, ma femme va aller peut-être emprunter ou prendre de l'argent, mais je ne suis pas responsable. » Donc, il a dégagé sa responsabilité. Et donc, quand l'hôtel a porté plainte contre la dame, l'hôtel n'a pas eu gain de cause parce que le mari dit « Moi, j'ai publié déjà que cette femme-là, ce qu'elle va faire comme dégâts dans la ville, je ne serai pas responsable. » Maintenant, il y a eu une autre espèce, parce que les femmes croient souvent que non, parce que c'est lui le monsieur, il doit me nourrir, me blanchir. Il y a une dame qui a été attrayée en justice, son mari touche 50 000 francs, elle touche 450 000. Et dans la maison, c'est dans les 50 000 du monsieur que tout le monde doit vivre. Donc le monsieur, il a laissé son orgueil de côté, il a dit, c'est aujourd'hui, on va voir qui est qui. C'est aujourd'hui, on va voir si il y a la loi en Côte d'Ivoire. Donc il a convoqué la dame devant le tribunal. Et il a gagné. Le juge a dit, madame, vous devez participer aux charges du ménage à hauteur de vos facultés contributives. Donc, vous avez 450 000, il a 50 000. Donc, on doit sentir que vous avez ça, quand même... Ça, c'est avant la loi ou après la loi de 2013? Ça, c'était avant la loi sur ce qu'on appelle la nouvelle, la loi de 2013. Mais je vais dire, ce dispositif est encore valable. Ça veut dire qu'en ce moment, en 2014, la nouvelle année qui vient de commencer, cette année que nous célébrons avec beaucoup d'allégresse, si une femme touche 2 millions de francs, elle est directrice d'une administration. Le monsieur, il est certainement, il a son petit métier, son petit commerce. Ça ne rentre pas tous les jours. Il y a les jours, on paye, il y a les jours, on ne paye pas. Et puis, on arrive à la maison, elle dit, tu n'as pas dit que tu es garçon. C'est aujourd'hui, on a senti que tu es garçon, il faut payer. Toujours, il paye, mais ça ne suffit pas. Monsieur, tu as la possibilité d'aller au tribunal et de dire au juge, la dame, là, l'argent qu'elle gagne, là, à hauteur de ses facultés contributives, elle n'a qu'à donner aussi. Les enfants vont manger, tu vas manger. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas mettre dans la honte. L'orgueil, là, ça ne paye pas. Elle est là, elle a le truc, elle a l'argent. Et vous, vous êtes mariés. Le maire même vous a dit, pour le meilleur et pour le pire, tu n'as pas dit tu veux son argent, mais la loi dit, les charges du ménage, là, quand on doit payer l'eau, courant, école des enfants, que c'est à hauteur des facultés contributives. Donc, si elle peut contribuer pour que la maison, on sente qu'il y a, il y a le feu dans la maison, il y a la joie dans la maison. Attends, quand on rentre, on dit, ton mari s'occupe bien de toi. Elle n'a qu'à contribuer. D'accord, donc elle n'a pas le droit de refuser, en fait. Non, si elle veut, elle peut refuser. Mais si elle refuse, il ira en justice. Donc, on dit, c'est une faculté. C'est-à-dire, elle peut, comme elle peut ne pas faire. Donc, si le, monsieur, non, si le monsieur, il a un orgueil qui est tel qu'il dit, moi là, depuis que je suis né dans ma famille, femme n'a jamais contribué. Moi, je lui ai supporté. C'est-à-dire, il est comme le poulet, il transpire en bas des plumes. C'est-à-dire, quand on voit les plumes, c'est joli, mais dedans, là, il transpire. Si c'est un homme qui est comme ça, ça peut marcher. Mais si ce n'est pas un homme qui est comme ça, mais c'est un homme qui connaît ses droits, comme peut-être Yves Blé, et il voit que tu as 2 millions. Moi-même, pour avoir peut-être les 150 000, je danse dans Abidjan. Je suis obligé de danser toute la journée. Toi, tu as les 2 millions, tu assises dessus. Matin, quand on doit aller au travail, bisous, bisous, tu prends ta voiture, voum, et moi j'emprunte le bus quand même. D'accord. Quand même. D'accord, mais elle n'est pas contrainte de le faire, mais elle devrait le faire et lui il peut l'y contraindre par voie de justice. Par voie de justice. Maintenant, la question que je vais vous poser est de savoir si ce monsieur s'installe justement dans cet état de fait en disant que ma femme gagne beaucoup d'argent et moi j'en gagne peu. Et finalement, de moins en moins, il cherche à en gagner parce qu'il estime que le gap, il aura du mal à combler parce que du jour au lendemain, ben, elle a eu de la chance d'être en train d'organisme international et tout. Et lui, il est toujours, comme on dit, en griffe, en train de se chercher. À un moment donné, il baisse les bras. Et puis, il se dit, bon, elle gagne suffisamment pour nous deux. Elle n'a qu'à gérer, moi, je ferai autre chose. Et il se met à sortir, boire, en fait, s'amuser pendant que la dame travaille. Est-ce que cette dame peut porter plainte aussi contre ce monsieur? Ben, cette dame va essayer de chercher un juste motif, peut-être pour une séparation de corps, peut-être un juste motif pour un divorce. Non, pas pour un divorce, pour obliger la loi à lui demander de contribuer. Contribuer. Mais si elle arrive à démontrer qu'il a des revenus et que dans ces revenus-là, il y a une partie qu'on peut utiliser déjà pour les charges du ménage, ben, elle peut. Et je vais vous donner un cas qui est symptomatique et qui fait mal. Ce sont nos mamans qui sont dans les foyers. Quand ils demandent l'argent au papa, que, ah, mes pagnes là, vraiment,
tout et tout, il faut changer mes pagnes. Ah, tous les jours, tu manges ici. Il a changé quelle pagne? Quand elle demande l'argent des poches, je dis, je te donne l'argent du marché. C'est-à-dire, elle ne peut rien avoir dans la maison. Mmh. Elle est là tous les jours en train de pleurer. Maman, il faut arrêter de pleurer ce midi-là. Je t'ai dit, si le tonton ne te donne pas l'argent, le vieux ne te donne pas l'argent, c'est-à-dire tu es là dans la maison, c'est l'argent de popote seulement lui s'est donné. Mmh. L'argent de popote là-même, ça ne suffit pas. Tu es obligé de te débrouiller au marché. Tout le monde te connaît là-bas. À partir de ce midi, s'il a un salaire, il travaille, il faut aller voir le juge pour dire, ah, monsieur le juge, on appelle ça contribution aux charges du ménage. Donc, ton argent de poche là, il n'a qu'à mettre ça dedans aussi. Tu vas être un peu heureuse. Là, au moins, quand tes camarades vont payer, tu vas payer aussi. Parce que toujours tu regardes. Quand on dit de payer, tu dis, moi, je n'ai pas envie de payer. Demain, je vais venir payer. Tout le monde t'a remarqué maintenant. Donc, il y a, la loi dit, il y a ce qu'on appelle contribution aux charges du ménage. Donc, celui-là, beaucoup, il doit mettre beaucoup dans les charges du ménage pour qu'il y ait la joie dans la maison. Mais pour ça, il faudrait maintenant, que... Maintenant, si c'est toi aussi qui as beaucoup, maman, c'est toi qui dois donner. D'accord, mais pour ça, il faudrait que toutes ces femmes soient mariées légalement. Voilà, il faut que tu sois mariée légalement. Donc, si tu n'as pas encore marié légalement, il faut faire doucement, doucement, il va te marier. Maintenant, c'est quand il va te marier là que tu peux faire ça. Je voudrais préciser une chose. Et pour terminer, c'est simplement lorsque on n'est pas marié légalement, mais... On a fait exprès, on a fait semblant d'être marié légalement. C'est-à-dire, dans le quartier, tout le monde pense qu'on est marié légalement alors qu'on n'est pas marié légalement et qu'on s'en va contracter une dette de ménage. La loi dit qu'on doit payer la dette de ménage solidairement, monsieur et madame. C'est-à-dire, on n'est pas marié légalement. Elle s'appelle Kofi Suzanne. Lui s'appelle Kwasi Paul. Oui. Et puis, dans le quartier, on s'en va acheter une bague, peut-être quelque part dans la rue, avec un bijoutier, on porte ça, et puis elle se fait appeler Madame Kofi. Mm-hmm. Tout le monde pense qu'ils sont mariés. Mm-hmm. Donc, si vous contractez une dette dans l'intérêt du ménage, sachez simplement que le boutiquier ou bien la personne où vous êtes allé a la possibilité de vous contraindre à payer la dette là solidairement. Quand on dit solidairement, ça veut dire vous deux. On poursuit un, il paye pour son camarade. Après, d'accord. Il s'en va se retourner contre l'autre. On poursuit l'autre, il paye pour son camarade. Mmh, donc, d'accord. On dit, vous allez payer ça solidairement. Très bien. Voilà. Seymondia nous accompagne depuis le début de ce magazine. Et nous allons lui demander, donc, faire une courte pause musicale en ce qui concerne le droit avec M. Yves Blé. Et nous sommes avec M. Sey. On l'écoute. Yen jarabi jarabi kon jarabi jarabi metan yenyamo baro abenala che wato flale fola abenala che wato flale fola nete flafo nyamo deno yedunya kula wuzu bila binasi kula wuzu bila bifalaki bimobani ala kulema Lawuzu bila binasi, masabara na bimolu donasi, bimo imbani seli kulima. Nena jone kila, moto bola dengele, ye kotu la dengele ngabedi, ye fiela kaido bemi turila, fakwali kumalu bemi, nebe na flado la ye. Monica waturila mamere dugu turela kaluwe mawe mwaini maurudi vakabana ture yes sanu se dugu tureluwe mwaini maurudi seni mariamu turewe mwika barika jiyala ndete nyina natanoko ndese nyina nakadre ikonete nyina na asaniko Mbamadusu, mbagongi ni maurudi Flafole na nyamode la bolazo Flafole na chuka sula chela
la famille de mon wayne wayne so. Mama de Solomon, il m'a dit wayne badenya. Netanyana n'a dit quoi d'un la demo torodo. Tijani demo wuro de lou. Asse tout tani, frasi tale l'andenyana se tout ko. Ye madame moussa do fatu badi manawa. Salima taba de way, aite ne din da bama. Maso baba de way, wanyi wabo tarawila. Mariamu we, madame tali furunyo mana wafalila. Mwaite ne din da bama, wato flafola donina. Mere bere ngura fafa be ibale bulu demo sonyana demo sotinyana ibale kana demo sonke yala yala kala di ibama nyinga tinyalelelele tinyalelele tinyalelele ha tinyalelele ma fanda jabate amara jamo de mana wangwanye wabo sigiri kuni ma jabate la kai soro teri doye nyangwe iperdila sita woro de nyanama ye bato ma bakoro bade mana wa bakoro jeliti bade we ameriki julanga bedi abula yi watra furu nyowe dolari tigi nyanama Denyina na juanda ko, jetene fi badi manawa. Afu keita badi we, aite nidi juanda masangoi. Mawa urudinga bedi. Mwaite nidi ndabama, sayibara vula dinikula. Mawa urudifati ni mwana na nyalila. Mawa urudifati mini mwana na nabade nyalila. Très bien. Merci beaucoup, Sey Mandia. Alors dites-nous, Sey Mandia, dites-nous, c'est un opéra mandingue. Comment est-ce que c'est un groupe En fait, d'abord, j'ai salué toute la population ivoirienne, et ceux qui nous regardent actuellement, les gens qui sont à l'extérieur, qui nous regardent. Voilà, c'est la fête des Maoulous, on est là aujourd'hui pour... d'après dans le jargon des Nouchi, enjailler les gens. Donc, on est là pour vous enjailler. Voilà, mon groupe, c'est le Benkadi, il m'accompagne dans mes cérémonies de mariage. Voilà, c'est le chef de groupe qui est là, M. Mamadou Diabaté. Voilà, quand il y a les cérémonies des dîners, gala, c'est avec D'accord. eux que je travaille. Quand j'ai les cérémonies de mariage, baptême, D'accord. je travaille avec Très eux. Bien. Voilà. Et comme on dit, c'est un donc c'est le groupe. Voilà, c'est le groupe. D'accord. En fait, eux, c'est le groupe, mais moi, je suis en solo, mais je travaille avec le groupe. Très bien. Voilà. D'accord. Oui. En tout cas, merci, puis on vous retrouve tout à l'heure. De rien, Mandjou Touré, merci. Merci bien. Monsieur Yves Blé, alors, c'est très édifiant tout ce que vous nous expliquez, et le meilleur moyen de comprendre, c'est de prendre des exemples. Des époux qui gagnent approximativement le même salaire. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'un d'entre eux refuse ? Dans le sens où, par exemple, pour les charges scolaires, la mère, la femme estime que bon, tu t'occupes de la scolarité, moi je m'occupe de la popote. Et le mari qui rétorque, oui, mais la popote est beaucoup moins élevée, vu les écoles dans lesquelles les enfants sont. Moi, les deux tiers de mon salaire, ils passent à l'année. Et dit, en tout cas, tu te débrouilles, mais moi, en tout cas, je gère la popote et c'est ce qui est normal. Ok. Je voudrais dire dans cette hypothèse, celui à qui le débiteur, non, le créancier du moins, c'est-à-dire celui qui a la dette, par exemple, on prend le fondateur de l'école. Vous êtes allé inscrire votre enfant dans une école, vous ne vous entendez pas. Ce qui doit payer la scolarité de l'enfant, la loi pour le protéger dit que c'est une dette de ménage. Donc lui, lorsqu'il a besoin d'aller prendre son argent, il ne va pas chercher à savoir dans le ménage est-ce que c'était madame, est-ce que c'était monsieur qui devait payer. La loi dit que c'est une dette de ménage qu'il peut poursuivre solidairement les deux époux. Donc il va poursuivre monsieur et madame, quitte pour monsieur de payer. C'est-à-dire, si c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent, il travaille dans une société où on le paye bien, on poursuit sur le salaire de monsieur, il paye, et puis après, lui s'en va réclamer son argent à madame. Ou bien, il commence sur madame, ou bien il attaque les deux.
Donc, il n'appartient pas à celui à qui on doit de dire non, comme j'avais payé la sauce claire, bon, toi, tu devais payer l'école ou bien tu devais payer le loyer. Non, on dit que c'est une dette solidaire, donc en vertu de la solidarité. Quel que soit le régime matrimonial. Quel que soit le régime, qu'on soit dans la séparation de biens, qu'on soit dans la communauté de biens, mais ce qui touche au ménage, là-bas, là, on ne parle plus des régimes. D'accord. Puisque c'est nous deux qui bénéficions, c'est pour notre intérêt. Mmh. Les enfants, les vacances, la servante, l'électricité, l'eau, tous ces éléments-là sont pour notre intérêt. Donc, lorsqu'il s'agit des dettes du ménage, les époux sont tenus solidairement de régler. La dame qui a décidé de refaire sa garde-robe, qui s'achète beaucoup de très beaux bazins, donc qui s'endette auprès d'un vendeur, le vendeur peut se retourner contre, le père, contre son mari ? Au cas où elle serait insolvable. Ben, le vendeur doit démontrer que c'est dans l'intérêt du ménage. Maintenant, le mari, s'il constate que sa femme est prodigue, c'est-à-dire qu'elle dépense beaucoup, elle dépense sans compter, parce qu'être prodigue, le juriste vous dira que c'est une maladie. Les gens qui dépensent sans compter, on dira certainement qu'en Côte d'Ivoire, c'est un boucantier. Il a beaucoup d'argent, il fait le boucan. Mais le droit, lui, vous dira que c'est être prodigue. Donc, il y a un régime qui est organisé par la justice, par la loi, et qui permet d'arrêter cette personne-là. Donc, si la personne avait la possibilité de prendre son argent quelque part pour aller dépenser, on va faire en sorte qu'elle n'ait plus régulièrement accès à cet argent, mais qu'elle soit contrôlée par une toute autre personne dans ses dépenses. C'est-à-dire, il est là, il a son argent qui est peut-être entre les mains de son employeur, mais on fera en sorte que cet argent-là ne transite pas directement entre ses mains, mais qu'une tierce personne, soit son épouse ou quelqu'un d'autre, agisse pour l'aider à dépenser. Parce qu'il ne sait pas dépenser l'argent, il ne sait pas manger l'argent. Voilà. D'accord. Très bien. Pour mes questions, j'en ai fini. Ben, on dira aussi que lorsque le lien matrimonial, il y a un certain relâchement, abandon de domicile conjugal, il n'y a plus lieu de contribuer aux charges du ménage. C'est-à-dire que la dame qui a laissé le ménage et qui est partie, elle ne peut pas être ailleurs et puis dire au monsieur de venir contribuer aux charges du ménage. Ça, c'est difficile. Maintenant, le monsieur qui ne veut pas contribuer, comme vous l'avez dit, et qui a un salaire, on peut faire une saisie des rémunérations, une saisie de son salaire, une partie, et donner à la dame pour qu'elle puisse faire face aux charges du ménage. Maintenant, lorsque la justice vous a condamné à payer pour les charges du ménage et que vous refusez, l'article 388 de notre code pénal dispose très clairement que vous pouvez être puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs. Donc, la justice vous a condamné. On dit tu dois payer pour les charges du ménage. Tu dis sur le jugement, les garçons, il n'y a qu'à venir prendre l'argent là chez moi. Je ne donne pas. Je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est vrai, tu n'as pas peur de quelqu'un. Mais si ta femme ou bien ton mari s'en va dire, d'abord, il y a outrage à magistrat, parce qu'on ne dit pas ça d'un magistrat. Et deuxièmement, tu risques d'être puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an. Donc, lorsqu'on vous condamne pour nourrir votre femme, pour nourrir vos enfants, pour faire face aux charges du ménage, le seul conseil que je peux vous donner, exécutez-vous. Voilà. D'accord. Très bien. On va devoir conclure à ce sujet. Ben, la conclusion, c'est tout simplement pour dire aux uns aux autres, à ceux qui aspirent au mariage ou qui sont déjà dans le mariage, que c'est vrai, nous avons les régimes matrimoniaux, la séparation des biens, la communauté des biens, mais je dirais, il y a un point qui permet de rejoindre ces deux régimes, c'est les charges du ménage. Et vous devez contribuer à hauteur de vos facultés. Vous devez agir à hauteur de vos facultés contributives. Et si vous me permettez, j'aimerais bien lire les dispositions de l'article 59 de la nouvelle loi sur le mariage. En réalité, c'est la loi numéro 2013-33 du 25 janvier 2013 portant abrogation de l'article 53 de l'ancienne loi. Donc, l'article 59 nouveau dispose. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Alinéa 2. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de saisir, arrêter et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint, de son partenaire. Donc, à bon entendeur, voilà, salut. Bon, juste avant de dire salut, dites-moi, et les personnes qui vivent ce genre de situation sans pour autant être légalement mariées, je m'explique, ils sont ensemble, c'est un peu le concubinage, depuis, disons, une dizaine d'années. Ils ont des enfants, 3-4 enfants, chacun gagne son salaire. Et puis, depuis un certain temps, il y en a un des deux qui manifeste... qui flotte. Oui, mauvaise foi, et qui estime que, bon, écoute, je suis fatigué.
Mais les enfants sont en commun, les enfants sont déclarés, sont reconnus et tout. Est-ce que ils sont pas mariés, hein, sont pas mariés. Est-ce que l'un des partenaires, on va dire, peut porter plainte contre l'autre puis la première question qu'on va leur poser, est-ce qu'il y a des enfants mineurs? Oui. S'il y a des enfants mineurs, la dame va profiter des enfants mineurs pour demander d'abord la garde juridique et accessoirement la pension alimentaire. Parce que le concubinage est une situation de fait et non de droit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le concubinage, ce n'est pas une situation sur laquelle le législateur a légiféré. Donc, il n'y a pas de loi qui régit le concubinage. Et l'État n'encourage pas le concubinage. Donc, les concubins ayant décidé d'ignorer la loi va simplement les ignorer parce qu'il n'y a pas de test spécialement prévu. Donc, si on a des enfants mineurs, on va tout simplement passer par le canal des enfants mineurs, demander la garde juridique des enfants mineurs et accessoirement la pension alimentaire. Voilà. Voilà. D'accord, très bien. Votre mot de fin? Ben, le mot de fin, c'est tout simplement de savoir que lorsqu'on est marié, on doit assumer pleinement et efficacement les charges du ménage. Voilà, les charges qui concernent les frais d'entretien du ménage, des enfants, et également le personnel de maison, également les charges d'eau, d'électricité. Mais ces charges-là pèsent sur les deux époux selon leurs facultés contributives. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Un téléphone, s'il vous plaît? Le 47-41-87-11. Merci à vous. À la semaine prochaine. Je vous remercie. Nous repartons avec Sey Mandia. Et juste après, nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Nous vous écoutons. Saïdona, Saïnana, Fangate Karaba. Ijole, Famajo, Ijole, Masayanite Karaba. Abife, Werebife. Sanu bife, jamana bi bulo. Ijole, ha ijole. Sarayele la saidona, saina nabi changate karaba. O bife. Jankulu bife, obife, numukulu bife, obife, finekulu biko, sarayele la saiduna, sainana, fangate karaba. Mejigi wele, sangwe ijula tubaka, fanta jeli tubabule, kiri tombolo nimba. Mejula wele, ha, mejula lema o, meshifere la lukara mogole, file nimbale. Ha, fanta sangwe, kadi warala fanta, jonta jabate la fanta, aisha tara wele la fanta, minata la fanta, adunkera dide nyumani, azizi leone ulo namberele, ikabare kanyede. Madame Jalo, Parivili Sigi Diarila, Adun Kera di Denyumani, Mangina Grupo La Classico, Maria Mufofana, Madame Kouate, Ilaja Mabengo, Mejigi Barricada, Marcelini Dongio, Madame Sumaworo, Mekano Barricada, Johnny, Mimi Silao, Altasi Président. Anabale mamu soberele, madame suare bulu bulu bemi. Jigi ya mogolo mancha fokele ngele. Obiko,
Abiko, Abiko.